Même quand c'est calme, y'a des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane. Fianso. Hey yo tout le monde, les potos, c'est Meiko, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, les frérots, ça va vraiment nickel. Aujourd'hui, les frérots, dans cette toute nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à avoir une tenue Modétron vraiment magnifique. Donc les frérots, merci les potes, on est bientôt 8000 abonnés, on va les atteindre rapidement. Merci à tous les potes, je pense qu'on les atteindra aujourd'hui encore une fois. Mille fois merci les potes. Et donc voilà les potes, alors la question du jour, c'est quelle est la dernière mission de GTA V en mode histoire. Alors les frérots, pour commencer ce glitch, vous allez vous rendre en session sur invitation. Je vous rappelle que vous perdrez toutes vos tenues, vous le savez ça de façon, mais vous pouvez en faire plusieurs, d'accord, et donc vous pouvez attendre avant de faire cette tenue. Vous pouvez là, si vous vraiment vous la voulez, ben vous la faites maintenant. Donc alors vous rentrez dans cette invitation, vous faites start en ligne et vous faites changer de personnage. Une fois dans le changement de personnage, vous allez créer un personnage secondaire. Vous allez lui appliquer le level et vous allez mettre le sexe en féminin, d'accord, s'il n'est pas déjà. Donc pour ma part il y est déjà, donc on va faire sauvegarder et continuer. Une fois mode online les gars, vous allez vous rendre à un magasin de vêtements, et si le magasin de vêtements n'apparaît pas, il faudra faire start en ligne et trouver une nouvelle session, d'accord. Donc pour ma part il est apparu, vous allez vous rendre donc dans les pantalons, une fois cela fait, dans les pantalon de guerre d'arène, et vous allez prendre le 40e, donc le pantalon à chaîne forêt gris. Une fois cela fait les potes, vous allez vous rendre dans les chaussures, et donc une fois dans les chaussures, vous allez vous rendre dans les chaussures de running et prendre les running rétro unis, donc les deuxièmes. Une fois cela fait les potes, vous allez vous rendre dans les hauts, et donc une fois dans les hauts, vous allez vous rendre dans les vestes de costume ajustées, et vous allez prendre le blazer marin blanc, donc le premier. Une fois cela fait les gars, vous allez vous rendre dans les accessoires, dans les gants, et vous allez prendre les tactiques clair, forêt, fermé. Et donc pendant les gars, ce que vous allez faire, c'est ouvrir votre menu interaction, vous rendre dans inventaire, protection, et vous mettre en affichage de l'armure, vous allez mettre la protection lourde, donc la protection de couleur noire, et vous allez sauvegarder cette tenue. Et donc une fois l'avoir sauvegardé, vous allez faire start en ligne et vous allez faire éditeur. Une fois dans l'éditeur les gars, vous allez faire créer une course, course terrestre. Vous allez mettre n'importe quoi, le but en fait c'est juste de créer une course pour la tester. Et après avoir fini de la tester, vous aurez un message d'alerte, vous allez l'accepter. Vous allez faire start en ligne. Et vous allez faire choisir personnage. Une fois dans le changement de personnage, vous allez supprimer votre personnage féminin. Vous allez attendre que le message d'alerte se finisse. Et vous allez appuyer sur rond en fait pour retourner en mode histoire. Une fois en mode histoire les gars, vous allez faire start en ligne, jouer à GTA Online et vous allez vous rendre en session sur invitation. Donc pour ma part les potes, je vais sauvegarder la tenue que j'avais avant de faire le glitch, d'accord, parce que j'ai envie de la garder. Et donc maintenant les potes, vous verrez que vous aurez bien la tenue qui est apparue, sauf que vous pouvez pas la sélectionner, c'est normal. Donc maintenant ce que vous allez faire les potes, c'est que vous allez vous rendre dans les tenues, dans les tenues retour à la ligne, et vous allez prendre la tenue retour à la ligne violette. Une fois cela fait les potes, vous allez faire start en ligne, activité, jeu activité créé par Rockstar versus, et vous allez lancer Ripou. Une fois avoir lancé Ripou les potes, vous allez faire en style de vêtements possédé, d'accord, vous allez confirmer les paramètres, vous allez inviter des personnes et attendre qu'elles rejoignent.
Dédicace à Fatality et à Alexandre de m'avoir rejoint. Et donc une fois les potes dans l'activité, vous allez sélectionner donc la tenue que vous avez créée sur le personnage féminin. Et donc normalement si tout s'est bien passé les potes, vous verrez que vous aurez une tenue. Et vous allez mettre prêt. Et donc une fois dans l'activité les potes, vous allez faire style, accessoires, vous allez vous équiper d'un recycleur et vous allez quitter l'activité. Et donc une fois avoir quitté l'activité les potes, vous n'aurez plus qu'à aller sauvegarder la tenue. Et moi je vous laisse en fait mettre les masques que vous voulez, les casques, vous pouvez faire le glitch de la longue vue. Ou sinon les potes vous pouvez faire le glitch pour avoir les casques de couleur, d'accord. Et donc voilà les frérots, c'était Meiko, on va aller vite fait sauvegarder la tenue. Et voilà les potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à la commenter. C'était Meiko, moi je vous dis portez-vous bien, allez ciao.